grâce, un souffle descend. Voici la présence du silence, le maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure toujours. Louez l'Éternel. Gloire à Dieu, notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Good morning and happy Sabbath, church. I would like to welcome you all to our divine service portion here at Gethsemane. My brothers and sisters, look at yourselves. You look good in the name of the Lord. Amen. All glory and all honor goes to the Almighty because we are here in this sanctuary moving about with able bodies and able minds. Please don't take this blessing for granted. As I welcome you, I want to remind you that you are a living testimony to how good God truly is.
Before I continue, I would like to ask, are there any visitors amongst us? If there are, please stand. Any visitors? Okay, thank you. Let the church say amen. Amen. Thank you. You may be seated. We here at Gethsemane are delighted to be with you, and we are glad you decided to spend the Sabbath day with us. Thank you for choosing us. Thank you to our listeners on Radio Gethsemane and our viewers on YouTube at Tele Gethsemane. Psalms 118, 1-4 reads, "Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Let Israel say, his steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, his steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord say, his steadfast love endures forever." And now I add my church to this. I will say, "Let Gethsemane say," and you will say, "His steadfast love endures forever." Are we ready? Okay. Let Gethsemane say, "His steadfast love endures forever." Let Gethsemane say, "His steadfast love endures forever." Very good. Gethsemane, friends, family, listeners, visitors, and viewers, God is good and his steadfast love endures forever. Let us act like it. Let us smile on this Sabbath day. Let us go out and spread the word on this day. Let us be mindful and kind to one another. Give grace to where you can and enjoy where you can. Met femme sous nous, met garçon sous nous, ramassez tout courage avec toute force pour dire bon Dieu bon. Fideli, fideli, pap quitte au péri. So take this as a reminder to be thankful today. God is here. He is welcomed here and foremost. He is moving in the midst. Frères et sœurs, chers amis, bon sabbat dans le Seigneur. Il fait bon d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Il y a fête dans le ciel. Et pour apporter une note de gaieté à cette fête, nous allons chanter ensemble, sous la direction du frère Médor, le cantique entrouvé au numéro 543. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. 543. Amis, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À que même là nous rassemble, ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs. Travaillant pour la même cause, n'ayant qu'un maître dans les cieux. Qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps. Quand on aime et joyeux qu'on s'en aille, on a serré, rembleux et fort. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité nous presse
haut, a mis en haut les cœurs. Te victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire. Tiens-nous tous au pied de ta croix. Et monte jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Et monte comme Jésus nous aime, Seigneur, notre trésor ici-bas. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. J'aime déjà dire, directrice jeunesse noire, Sister Jessica Tabtilla. Mes amis, nous besoin de des femmes à garçons sous nous pour nous chanter avec à l'Éternel, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons mettre ça vraiment avec ce mieux? M'apprends de vous dire, amis, chantons, chantons ensemble, ou est-ce que qui était, on dirait que bah, là, difficile pour vous, on dirait que bah, là, pas de bon pour vous-même, on dirait que vous bah, contre qui joue aujourd'hui, on dirait que vous bah, bénéficiez des grâces de Dieu. Bon, moi, monde qui te bénéficie des grâces de Dieu pendant ce moment-là. Moun ki a respiré a pou kontyo, moun ki pense que pendant semaine a jenou bagay pou manger, moun ki te sorti ou rentré, moun ki te allé ou vini, moun ki dormi ou réveillé, moun ki gen souffle en eux toujours et non dit mon âme que tout ce qui est dans moi, mon âme et n'oublie, oh c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit. Mon âme, je bénirai l'Éternel. Sa louange, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est bienveillant pour les frères de demeurer ensemble, mes chers amis. C'est une grâce que le Seigneur nous fait, n'est-ce pas, de nous pouvoir nous retrouver ensemble chaque sabbat pour adorer. Nous connaissons que, et m'attendez, matin même, qu'il y a une nouvelle qui dit que, et en Russie, en Ukraine, et il y a des gens qui ont péché à adorer, ils ont dit qu'ils prennent même le vote pour ne pas quitter ou adorer, bien que c'est pour raison politique ou bien raison de guerre. Mais nous-mêmes, le fait que le Seigneur a une opportunité pour nous adorer à toute quiétude, on nous dit amen pour ça. On nous dit merci, bon Dieu, pour ça. Et nous aussi, bon Dieu, alléluia pour ça. Parce que même en Haïti, mes chers amis, dans le pays d'Haïti, nous avons des gens qui parlent de l'église depuis longtemps à cause de la situation. Est-ce que c'est Martin Bay? Il y a des gens qui parlent de l'église longtemps, à cause de gens, situation. Mais le bon Dieu béni, ou capable d'adorer le Seigneur, ou pas, you cannot take that for granted, right? Nous ne pouvons pas prendre tout cela pour acquis, c'est une grâce de l'Éternel. Nous ne savons pas pour combien de temps nous avons encore cette opportunité, mais nous disons gloire à Dieu, nous sommes encore capables de venir et d'adorer le Seigneur. Et ce matin, nous sommes toujours honorés de nos amis qui adorent avec nous. Nous en avons pas mal. Nous avons des adventistes et des non-adventistes pour lesquels nous sommes vraiment enchantés. Et nous avons Alexandre Gertrude, nous avons Alexandre Wilmenstrud. Côté vous, bon salut. Amen pour vous. Ah, c'est invité ce côté, nous disons bienvenue. Vous êtes chez vous à Gethsemane, que le Seigneur vous bénisse. Merci bien de venir. Nous avons Yvette Davis aussi. Yvette Davis. No. Oh, there she. Ça, c'est invité, c'est Nicole. Hein, c'est Nicole. Merci bien. Merci beaucoup. Nous avons Jocely Derival. There is. Merci beaucoup. Merci bien de venir. Nous avons Jonathan Adrien.
Jonathan, oh, there he is. Oh, jeune garçon, plein de force. Matin, mal balan, même moi, je sais quoi, moi. Pour dire, mes garçons sous. Merci bien. Content de vous, Jonathan. Bon Dieu béni. Et nous gagnons Solange, Solange, c'est Solange. Merci bien. Et ensemble avec lui, Augustin Julio, vous venez ensemble. Merci bien. Vous êtes chez vous à Gethsemane. Que le Seigneur vous bénisse. Quel que soit côté, nous sortir, hein, nous bien contents de nous gagner nous ici à Gethsemane. Et nous disons amen, vous, mes chers amis. Et nous avons des non-adversaires avec nous. Nous avons Margaret de Houyer. Margaret, there she is. Margaret, c'est ma première fois qu'elle vient. J'ai habitué à venir déjà. À Margaret, le seul bagage qui est au là, qu'on y a là, c'est pour faire l'autre part, pas vrai? Et si mon Dieu est là, si mon Dieu parle avec quoi aujourd'hui, prends décision, fais l'autre part, et que mon Dieu capable de bénir abondamment. Et bien sûr, nous avons eu un monde qui était là avec nous samedi dernier, et qu'il a encore Darlene Zamor, pas vrai? Et nous disons bienvenue. Nous comptons voir Darlene. Vous êtes chez vous. Ah, j'ai de ces manières. Merci bien. Merci pour le sourire aussi, ok? Merci bien. Tout l'autre monde qui passe sur l'isme là matin, bon Dieu, content avec nous. Nous comptons avec nous toutes, nous comptons avec nous chaque. La famille, merci bien d'être avec nous. Nous saluons nous toutes. Bon, il y a des gens aujourd'hui à tout cap célébrer. Et c'est libre pour célébrer avec nous cap célébrer, mes chers amis. Il y a un monde là qui semblait 14 ans. Je vais regarder là, il semblait 14 ans. Et vous avez dit que c'est 94 ans. Maman, demande est-ce que c'est vrai? Maman, demande est-ce que c'est vrai? Demande est-ce que c'est vrai? Moi, c'est Gisèle Dorval. Nous battons bravo pour ça, mes chers amis. 94 ans, que bon Dieu bénisse abondamment. Que bon Dieu bénisse abondamment. Nous avons un visage frais. Parce que c'est 14 ans, pas vrai? Et nous avons aussi ce Marie-Noël. Connaissez-vous Marie-Noël? Oh, ce Marie-Noël, toute famille, il a fait ensemble avec lui. Mais il a fait des bienvenus. Il a fait Noël là, maman là, petit garçon là, Ariel. We want to wish your mom, Ariel, a very healthy and happy birthday. Que mon Dieu capable de bénir abondamment. Et nous avons aussi. Il y a un monde qui, je dis, a fait un prétendant, pas qu'on est comme on dit là, non? Et on dit jusqu'à ça. C'est Freda Israël. Faut-il comme c'est Freda? On dit Amen, Moli. Nous disons Happy Birthday. Tout le monde qui va comme baguette, comme pas qu'on est qui a fêté, je dis, nous voulons souhaiter nous Happy Birthday et nous dit merci, bon Dieu, pour nous tous, pour nous chaque. Bon, mes chers amis, ce n'est pas une bonne nouvelle seulement nous gagnons. Nous comptons comment la vie a gagné des mauvaises nouvelles aussi. Mais bon Dieu compte tout bagay, pas vrai? Et nous gagnons frère Daniel qui gagne bon père qui est le père en Haïti. Et frère Daniel là avec nous là, cœur d'homme depuis quelque temps, il est avec nous là et il perdu bon père en Haïti, il a planifié funérailles. Malheureusement, il pas qu'à aller, mon Dieu, c'est difficile madame, c'est seul petit papa à te gagner. Mais voilà que le pas qu'à là la funérailles ça. À toute la famille, nous disons condoléances, frère Daniel, que bon Dieu capable bénir nous. Et mes chers amis, nous continuons à prier aussi pour frère Roland, qui perdit deux monde dans la famille, tout. Et une nièce avec une monde dans la famille, madame, ni, que bon Dieu capable continuer à consoler. Et nous gagnons, pour nous prier, mes chers amis, on m'a appelé hier pour me dire que plusieurs personnes, beaucoup j'aime jeune col comme ça, et n'importe 10 cols viennent au seul coup, à ce Kamita, pas bon même non, juste après l'église, nous parlons pour aller à l'Oueli, je dis, parce que nous disons, là, avec petite lise, Fifi, je dis, nous pas vraiment bon même, donc nous parlons à l'Oueli juste après l'église. Et après l'église d'eau, et avant même que nous sortions, nous avons eu une rencontre avec staff activité laïque, là, tout staff activité laïque. Là. Staff activité laïque, là, tant pris, que l'église finie, ne vous faites pas marchander, je viens avec nous derrière, hein, nous avons eu une rencontre, et en même temps, tout diaconat a eu une rencontre avec tout diac et diaconation. Nous connaissons que nous avons pu planifier en pile bagaille, parce que le 7 septembre prochain, ce sera la journée du diaconat. Et le 7 septembre prochain, donc, tout diaconation, j'ai eu qu'on a habitué réunir, il y a peut-être là, à côté où on y est. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, samedi prochain, nous gagnons un programme spécial jumelé avec une organisation qui est très connue dans la communauté, hein, c'est Fombab, pas vrai? Et Fombab avec Brise Matinale, il y a un concert l'après-midi ici, hein,
Et depuis le matin, toute l'équipe Fond Bas Blanc a pas avec nous. Nous avons des gens qui nous viennent de Floride, de Boston et de peu partout pour être avec Fond Bas. Fond Bas, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, c'est une organisation du Temple 1 et Fondation Fête Benoît pour le progrès et des choses de ce genre. Et pour l'avancement et le progrès, Fonbab, il y a avec nous samedi prochain. Nous aurons des invités parmi nous. Et nous comptons depuis cette semaine, il y a invité, nous comptons invité, pas vrai? Ah, il y a pas convaincu, non, là. Bah, avec, non. Nous parlons même d'inviter mes amis, nous comptons invité. Donc, invitez-nous, on a recevoir, les gens nous doivent recevoir, on a en priorité, même la cafétéria. Donc, aux façons pour nous capables de montrer que okay, c'est Gethsemane qui va accueillir. Amen. Deux mondes disent amen pour ça. Bon, mes chers amis, écoutez bien, écoutez bien. Nous nous préparons pour un grand événement. Chaque fois qu'un événement ça va arriver dans l'église, c'est une occasion de joie et d'allégresse. Le 14 septembre prochain, nous aurons 2 semaines d'évangélisation. Où est ma amen là, parce que nous devons dire amen, mais nous devons dire amen. Nous devons faire mieux que ça. À nous respecter l'accord, nous répéter l'accord, nous répéter l'accord. 14 septembre, cap venir, nous allons gagner 2 semaines d'évangélisation. Amen. Ici à Gethsemane. Faut que mes chers amis, évangélisation, campagne d'évangélisation sont occasion pour l'église régénérer, pour l'église revivifier, pour l'église ressourcer dans la parole. La campagne d'évangélisation, l'église en supposé sous pied. Amen. Donc, maintenant, nous pour nous faire un pile effort, parce que l'évangélisation, c'est l'affaire de l'église, c'est la raison même de l'existence de l'église. Vous avez fait de nous, mes chers amis, m'appeler Dr. Loudzi Honoré. Qu'est-ce qu'on a qui remet Dr. Loudzi sur la joie? Nous connaissons Dr. Loudzi? Oh, nous connaissons Dr. Loudzi? Bel conseil, qu'a pas eu ce ça, mes amis, nous allons venir là pour nous donner 3 minutes de santé. J'espère que t'a porté santé à venir mettre dans mes chacun nous-mêmes. Mais s'entendez à la loi, nous tout en sac à pas. Mais bien, à nous dire amen, mon docteur Louti. Docteur Louti, nous aimons un peu, oui, si on compte ça, vrai. Oui, appréciez tout son bon chemin, God bless you. Bon sabbat à l'église. Bon, oui, je dis à nous, Fred, bon sabbat à l'église. Pas occupé, pasteur Derisso. Il dit 3 minutes, mais m'apprend 5. Je dis à nos pral, font écoute de parler nous de. Il y a un problème qui est vraiment commun, que nous relais vitamine B12 deficiency, qui c'est carence en vitamine B12. Mais en pile, monde pas connaît si y'a une carence ça, et puis en pile, monde tout pas connaît importance vitamine B12. Vitamine B12 là, quoi pas produit qui côté ou jwenn li nan manger que ou manger. Alors le point ou manger qui gen vitamine B12 qui s'est passé acide qui nan estomac li prend vitamine B12 lan li retire le nan manger an, à l'aide de yon protéine nou gen encore nou protéine ça permet nous absorber vitamine B12 là. C'est seul qu'on ça ou ka jwenn vitamine B12 c'est nan ça que ou manger ou bien si que on prend comprimé B12. Alors pour qui ça B12 là important? Est-ce que on besoin B12 là? Certes ou besoin parce que là ou pas gain B12 là, li ka fè ou anémie, là ou pas gain B12 là parfois ka senti ou gon fatigue ou pas konn sa k'fò fatigué. Ou ou pa travail dur ou bien ou pa konnen sa k'fò fatigué ou gen fatigue extra. Li capable c'est carence en vitamine B12 ou capable ou anémie li capable c'est carence en vitamine B12 ou capable ou gen en dépression gen moun ki kon vini yo senti yo dépré yo gen dépression yo irrité ou capable il y a un bon sabbat et puis le bon mauvais gens pas si tellement critiquer pour ça parce qu'on pas contre ça le gagner parce que l'organe carence en vitamine B12 li capable faire irriter li faire fatiguer ou pas ca dormir ou pas sentir ou grand goût ou gain problème dans estomac li gain en pile problème mais ça qui plus commun c'est fatigue là et puis ou senti mais ou tout corps gain li gain picotement
ou gen ça nous rele paresthésie ou gen picotement dans corps surtout dans main ou dans pied ou li bay problème vision ou capable wè cheveux ou ap casser ou pas konn ça qui fait cheveux ap casser il capable c'est carence en vitamine B12 ou gen problème vision ou pas konn ça qui fait ça il capable c'est carence en vitamine B12 et qui ça passé le qui ça cause mon gen carence là nous dit c'est moun ou pas joine li nan manger nan ki manje ou joine li et li très ça me pral dire parce que nous connaissons gen pile moun la qui pas manger viande mais pendant ce temps nous pas dit ça pour nous encourager ou manger viande but nous joine li souvent kay moun ki vegan yo moun ki pas manger viande yo souvent gen carence en vitamine B12 parce que joine B12 la en pile nan viande bœuf alors nous pas voyo al manger viande sou pas manger viande nous juste ap expliquer aussi ou c'est en vegan si ou l'on pas manger viande certain que docteur checker si ou pas gen carence en vitamine B12 parce que le que ou pa gen assez B12 li ka bo sa nou rele neuropathy li ka bo en pile problème nan estomac li ka bo problème nan cerveau li ka fè ou anémie c'est si un vitamine qui extrêmement important mes amis nous même qui la qui pa manje viande ou senti corps gen un picotement checker est-ce que c'est pas en vitamine viande ou bien capable jwenn li nan lait mais si ou pas manger viande it's okay ou capable acheter man sem ou senti ou gen fatigue ou senti ou fatigué extra ou bien ou senti ou pas ka dormi ou senti ou gen dépression corps crasé ou senti corps gen un picotement là ou senti ou irrité tout temps s'il te plaît fais docteur checker si ou pas gen carence en vitamine B12 parce que il capable c'est yon nan problème ou ka juste acheter B12 là li over the counter ou pas besoin docteur bon prescription extrêmement bas surtout s'il moins que 150 ou capable de joindre injection B12 dans le docteur li très très c'est parce que moi elle en pile li commun surtout nos frères et sœurs qui sorti en Haïti à peine yo si gennan nous là qui à peine sorti Haïti nan qui à peine vin Haïti sorti Haïti dans n'importe nan programme immigration yo moi en pile nan frères et sœurs nous ça qui gen carence en vitamine B12 alors ou même tout qui gen tan là déjà ou pas manger viande checker avec docteur ou même qui toujours fatigué ou toujours irrité ou gen dépression fait docteur checker est-ce que ou pas gen carence en vitamine B12 mon sabay bonne adoration pour mon qui ta reme le docteur nous dit et n'a joindre l'an 12 19 l'an Flatbush là neuf Flatbush là habitué à Rendon avec et Dorchester si je ne me trompe mais oui clinique lié et les carabou recevoir nous l'autre jour nous aller et d'affront elle faire son bagage ba nous en pile bagage merci en pile doc merci en pile pour information pile bagage que nous capable joindre lorsque nous gagne coin de santé ça nous voulons dire nous aussi cet après-midi à 2h30 qui l'a nous dit mes chers amis répétez encore qui l'a nous dit après-midi hein? N'a pas gagné giveaway et pour back to school avec en département d'éducation ça vous adaptant nous toutes qui est-ce mon acteur aimer giveaway pour school il va t'aimer pour petit monde qui va à l'école bon moi petit monde qui va à l'école nous pas besoin ça nous pas besoin ça nous que petit monde qui va à l'école pas vrai qu'a retourner l'école pas vrai nous pas que petit monde qui va à l'école bon moi monde qui va retourner l'école yo même ça vous aide bien bagaille pour nous toutes à 2h30 l'attendons là à 2h30 que nous finis là l'attendons merci bien mes chers amis sur un monde qui beaucoup tout là qui gagne fille qu'il marre toujours malgré on dirait c'est vitamine B12 pas gagné ballon petit sourire dit comme ça que Jésus bon ou remel en pile et petit vitamine son cabali partager sourire pour ensemble avec lui dit le remel en pile et ensuite nous parler les frères Ronald pour chanter ensemble avec nous 42 des hymnes et louanges pour nous commencer avec le service proprement dit.
Nous nous mettons debout et chantons à cause du poids numéro 42. La gloire au mon céleste Père. Nous aimerions que tout le monde chante. À toi la gloire, mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire roi. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour! Blasphémateur, indigné, misérable, ton seul nom je frissonnais des fois. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui... Chantons. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. God, oh mon Dieu,
abondante. Que ton amour transforme nos vies. Que là-haut nous soyons rassasiés. En ce moment, que l'univers entier s'associe à ton Église en prière. Mettons-nous à genoux. Notre Seigneur et notre Dieu, notre divin Maître, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es souverainement élevé. Ce matin, en ton Saint Sabbat, encore une fois, Seigneur, tu nous as convoqués pour venir te rencontrer. Et nous voici humblement prosternés devant ta face venue. Nous venons, ô Dieu, pour t'adorer en esprit et en vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir convoqués. Cet appel a été et est lancé à tout le monde. Mais peu ont répondu. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait une grâce spéciale. Nous sommes comptés parmi ceux qui viennent pour t'adorer en ton Saint Sabbat. Que ton Saint nom soit d'éternité en éternité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as comblés de tant de bénédictions. Tu as conservé en nous le souffle de vie. Nous voulons te dire merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons. Merci pour l'eau que nous buvons chaque jour. Merci pour la nourriture que tu nous donnes. Mais spécialement la possibilité d'avaler cette nourriture. Ô Éternel, comment ne pas te dire merci? Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, tu es bon envers nous. Tu nous as gardés pendant cette semaine contre toutes sortes de malheurs, de dangers, d'accidents. Seigneur éternel, même si nous avons l'argent, mais nous ne pouvons pas payer quelqu'un pour nous protéger. Mais toi, Seigneur, tu nous protèges en par devant et par derrière. Tu nous protèges partout où nous sommes, Seigneur. Oh, nous voulons glorifier ton saint et grand nom. Malgré ta mansuétude, Seigneur, envers nous, nous nous révélons rebelles. Nous sommes comptés parmi les pécheurs et nous sommes tous des pécheurs. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te dire, par le sang du calvaire qui a été versé pour nous, de nous faire grâce, de nous pardonner, Seigneur, car nous avons besoin de ton pardon. Nous venons en ce moment, Seigneur, pour confesser nos péchés et confesser même les péchés et même les péchés non confessés, Seigneur, car ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, toi, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier. Ô Éternel, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin d'un lavage spécial pour que nous puissions devenir blancs, plus blancs que la neige, et que cette prière puisse venir faire toi et retourner sur nous à aux émotions. Nous voulons te prier pour ton peuple en adoration. La grande famille de Gethsémané, les personnes avancées en âge, les adultes, les jeunes, Seigneur, et même les petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir chaque groupe de personnes, Seigneur. Ô Papa, nous vivons dans un monde rempli de péchés. Et à cause du péché, la maladie et la mort font rage. Ce matin, nous voulons intercéder
en faveur de certaines frères et sœurs, Seigneur. Sauve, Papa, qui a besoin de toi, toi le Dieu d'Israël. Seigneur, nous te demandons de les visiter d'une façon spéciale. Nous voulons te prier pour faire, pour frère, l'effette jouissance que son fils Ralph en jouissance a demandé pour prier pour lui. Seigneur, il a besoin de toi. La famille est affolée, Seigneur. Père des cieux, toi qui es le médecin par excellence, visite frère l'effette, Papa, et en retour, il puisse venir dans ton Saint-Temple pour te glorifier. Nous voulons te dire merci pour notre frère, frère Ducamel, Séraphin, Seigneur. À travers, éternel Dieu, ce miracle, tu prouves vraiment que tu es le médecin d'Israël. Maintenant, il est chez lui, Papa, se récupérant. Mais nous savons, un jour, il va venir dans ton Saint-Temple pour te louer en chair et en os. Et nous disons, béni soit l'éternel. Nous voulons te prier aussi pour frère l'hérisson d'Haïti, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour lui. Lui aussi, il est à la maison, Papa, se récupérant. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour ton serviteur. Père des cieux, nous ne voulons pas oublier, Papa, les autres malades qui sont dans nos rangs. Nous voulons te prier pour frère Voltaire François. Nous voulons te prier pour frère Thaléus Gilles Mélin, frère Ulrich Pierre et sa femme, sœur Ruth Caduche et sœur Merci Fils-Aimé, frère Raphaël Souffrant, sœur Manita Lamour et tous les autres malades, Seigneur. Sœur Camita Fleur, Jean, Papa. Oh Seigneur, nous avons une demande spéciale pour cette sœur, Papa. Oh Dieu, ta servante, elle t'a servi, Papa, ça fait longtemps. Et maintenant, elle a besoin de toi. Nous te demandons, oh Dieu, de visiter ta servante, de visiter tous les malades. Car toi seul, Papa, peux apporter une solution à leurs problèmes de santé. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier aussi pour la famille éplorée, cette famille, la famille Daniel, qui a perdu son beau-père, sa femme, Seigneur, qui pleure maintenant. Nous te demandons de consoler cette famille. Père éternel, il est dit dans ta parole, il faut crier avec ceux qui pleurent, mais aussi réjouir avec ceux qui réjouissent. En ce moment, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait, Papa, pour certaines de tes servantes. Nous avons sœur Marie-Noël, Seigneur, qui fait aujourd'hui un nouveau printemps. Nous te demandons de bénir ta servante, Papa, et que tu accordes encore d'autres années et qu'elle puisse, éternel Dieu, te servir, Papa, dans ta fidélité. Nous voulons te prier pour sœur Frida Israël, Seigneur, qui fait aussi un nouveau printemps, Seigneur. Il n'est pas facile, Papa, mais toi, tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui prolonge la vie. Nous te demandons de bénir ta servante. D'une façon spéciale, nous ne voulons pas oublier ta servante, sœur Gisèle Dolval, Seigneur, qui fête aujourd'hui 94 ans d'existence. Elle est placée parmi les plus robustes, Seigneur. C'est une bénédiction du ciel. Nous te demandons, ô Dieu, dans ta grâce infinie, de l'accorder encore et pour qu'elle puisse. Des personnes âgées dans nos rangs, Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te prier, Papa, pour ton Église, Papa, en adoration en ce moment. Ton Église en prière. Ceux qui sont ici présents et ceux qui adorent sur les réseaux sociaux, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, nous te demandons, ô Dieu, de la visiter et de jeter une bénédiction spéciale sur chacune de ces personnes. Père éternel, nous ne voulons pas oublier l'administration de Gethsémani. Nous sommes encore sur terre, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous diriger. Alors, Seigneur, nous voulons élever devant toi, Papa, le comité d'église, tous les membres du comité, tous les frères et sœurs qui occupent une position d'une façon ou d'une autre, Papa. Nous te demandons de les visiter et que ton Saint-Esprit soit avec eux. Nous te prions pour le corps pastoral, Papa, chaque ancien. Nous te prions pour les deux pasteurs, Seigneur. Nous te demandons que tu sois avec eux, que tu leur donnes, Papa, de la puissance nécessaire, Papa, de ton Esprit Saint pour diriger ton peuple à bon port. Père éternel, nous sommes ici ce matin dans un but spécial, non seulement pour glorifier ton Saint-Nom, non seulement pour chanter tes louanges et te prier, mais aussi pour entendre ta voix parler à nos cœurs. Et celui que tu as choisi, Seigneur,
c'est ton garçon. C'est notre frère, notre ami. Sem Toussaint. Seigneur, il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi plus que jamais. Parce qu'il va te représenter. Certainement, Seigneur, il a préparé quelque chose. Mais nous savons que le Saint-Esprit peut l'imprégner pour qu'il parle à ton peuple et que tout ton peuple en soit édifié à salut. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te demandons de le bénir, de bénir sa famille. Père des cieux, encore une fois, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que nous avons de nous présenter devant toi et de t'adresser, Papa, en prière. Entends-nous, Dieu des cieux, Seigneur. Pardonne-nous. Encore une fois, bénis ton Église. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Sois au Père notre prière de reconnaissance. Service de fidélité. Notre texte de base se trouve au 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.
prions. Adorable Père Céleste, merci du doux privilège de pouvoir nous présenter devant ta face bénie en vue de t'adorer. Merci également de nous avoir procuré du travail afin de subvenir à nos divers besoins et de rendre la dîme et les offrandes fidèlement. Thank you, Lord, for everything that you have entrusted to us. Help us to be wise, productive managers of the goods that you have entrusted to us, so that we may be channels of blessings and that you may use us to greater effect to bless others and to ourselves rejoice in your blessings. Que tu procures du travail à ceux qui n'en ont pas, afin qu'eux aussi puissent combler leurs besoins et retourner la dîme fidèlement et retourner les offrandes fidèlement. Merci de tes grâces. Sois avec chacun de nous. Aide-nous à être trouvés fidèles lorsque tu reviendras. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Nous chanterons le chant approprié. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez-les à part et confiez-vous en la promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez d'heure en heure dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. C'est un accord entre vous et le Seigneur. Apportez les dîmes au trésor. Dans les conditions de sa promesse, vous aurez ses bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, réjouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, réjouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre,
et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous t'apportons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Daigne les agréer avec le don de notre cœur. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel bénit, n'est-ce pas? Sentez-nous bien la présence de mon Dieu, mes chers amis? Combien de gens sentent-nous bien la présence de mon Dieu là? Nous disons Amen pour ça. Et le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver en sa présence. Mesdames et messieurs, celui, pas oublier, après-midi, on a pris qui ça? Soit on a pris qui ça? Nous disons plus fort, nous disons plus fort. Mon qui a appelé ensemble avec nous, on dit plus fort. On a pris qui ça? Soit, hein? Veillez de prier, à quelle heure? 8h du soir, 8h du soir, ok. Il y a quelques mondes qui connaissent quand même. Pas bon Dieu a besoin de prier, mes amis. Amen. All right. Papi, à 2h30, on a rencontré là, qu'on nous finit. À 2h30, on a rencontré là avec l'éducation, le département de l'éducation. Maintenant, mes chers amis, celui qui va nous parler en ce jour, c'est l'un de nos anciens. On nous dit Amen pour ça. Personnellement, j'ai connu son épouse avant de le connaître. Et c'est Solange qui est là, comme nous avons vu là, très fière, n'est-ce pas? Et maman de nous prier pour maman, tous, Anneli, qui va porter le bien depuis quelques temps. Il fait mieux, pas vrai? Yes, nous disons bon Dieu, merci pour ça. Et notre bien-aimé, l'ancien Sem Toussaint, ce genre de monde, de vous dire qu'on s'en compte avec frère Sem, m'a prêté un bon temps depuis au commencement. Et c'est pas vrai, mes amis. Hein? Même si ça sonne, je devine pour des plaintes, je me dis qu'on a eu un canton. Je n'ai même pas besoin d'entendre. Et ces gens de monde, pièce mon bagage, pour lui dire de lui-même. Et ça nous a appris un bon garçon. Et pas vrai? Mon qui travaille avec lui, est-ce que c'est moi qui ça m'a dit? Bon garçon, bon garçon. Et nous apprécions le service, nous apprécions le ministère, AGT Semani. Toujours en service, toujours au service. Si Frère Sem n'est pas capable, c'est parce qu'il n'est pas capable, vrai. Il est toujours au service du Seigneur et il a une bonne collaboration avec tout ancien, avec toute l'Église. Et ce monde va même temps de voir le fort. Mais je dis, il va aller faire fort à la gloire de Dieu. Donc, nous disons bon Dieu merci pour lui-même. Nous disons bon Dieu merci pour la famille qui vient supporter. Nous avons une petite fille qui est ensemble avec nous. Je dis spécialement pour cela, Stéphanie. We're so happy to see you, Steph. May God richly bless you and the rest of the family. We are hoping that Sam would be there too, but you know. Et so, avant de nous recevoir, le chant spécial que Stéphanie va porter pour nous, nous avons l'équipe de louange qui va venir pour notre moment de louange. Et ensuite, vous aurez Stéphanie Toussaint. Et ensuite, l'autre voix que vous aurez à entendre sera le prédicateur du jour. D'anciens Sem Toussaint de la parole du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Happy Sabbath, Church. Our theme for praise and worship is surrendering to God. So today we're going to remind everybody to just let go and let God. We invite everybody to sing along with us. Seigneur, moi vine adorer,
avec tout ça qui pas bon à moi vini présenter devant toi. Prends-moi Seigneur, prends la vie. Transforme-moi en gens que vous voulez. Moi vini présenter devant toi nous, Seigneur. Seigneur, moi vine adorer. Avec tout ça qui pas bon à moi. Vini présenter devant toi. Prends-moi, Seigneur, prends la vie. Transformez-moi en gens que vous voulez. Moi, vini présenter devant toi, nous, Seigneur. Seigneur, moi, vini adorer. Avec tout ça qui pas bon à moi. Moi, vini présenter devant toi. Prends-moi, Seigneur, prends la vie. Transformez-moi en gens que vous voulez. Moi, vini présenter devant toi, nous, Seigneur. Seigneur, moi, vini adorer. Avec tout ça qui pas bon à moi. Moi, vini présenter devant toi. Prends-moi, Seigneur, prends la vie. Transformez-moi en gens que vous voulez. Moi, vini présenter devant tu paies à mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton Seigneur glorieux service ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offre de volontaire. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être se soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée, je viens à ton autel, ô fond de volontaire, librement, je veux servir. Oh, wow.
je te verrai, glorieuse espérance au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrant de j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, avec toi sur la croix, j'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Happy Sabbath, Church. Happy Sabbath, Church. It's been a while since I have been here, and I am so happy to see you all today. Amazing job, praise team, as I used to be with you guys. And yeah, I just wanted to say great job, guys. Whenever you're ready.
Okay, so it seems like we're having some difficulties. Okay, so the song that I was gonna sing is called Holy Spirit, but I am just trying to wait and see if we can play it. If not, we're going to sing a different song in a cappella. Amen? Amen. All right. There's nothing worth more. You're the living hope. Your presence, Lord, I've tasted and seen the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're the living home. Your presence, Lord. I've tasted and seen the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, yeah. Holy Spirit, you are welcome here. Come and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become overwhelmed of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
presence and fill the atmosphere. Your glory, God, is what my heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Thank you, Steph. May God bless you so that you can continue to sing for His glory. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je remercie le Seigneur pour le privilège combien grand qu'il m'accorde aujourd'hui de prendre la parole en son nom. Toute la gloire est à Dieu. Je veux aussi remercier le pasteur de l'Église pour ces gentils mots à mon égard. Et je veux aussi remercier le corps pastoral qui a fait choix de moi en ce jour. Frères et sœurs bien-aimés, moi content pour me la matin. Et moi encore puis content parce que moi senti moi en famille. Côté tonton moi là, tante moi là, cousin, cousine, frères et sœurs et surtout mes frères et sœurs diacres et diaconesses. Je veux aussi remercier mon épouse sœur Solange Toussaint qui fait un gros sacrifice matin pour là avec nous parce que sa mère est malade, ma belle-mère, elle est obligée de quitter le compte lui pour le capable là matin. Et moi je veux remercier nous toutes dans l'église là. Et comme nous connaissons, moi remercie nous toutes en pile. Que bon Dieu continue de travailler avec vous-même, avec moi-même, jusqu'à ce que nous vivions avec elle dans le ciel. Nous voulons aussi remercier le Praise Team qui a chanté pour nous. Merci en pile. Aussi remercier notre bien-aimée sœur, sœur Fidjael Saint-Jean, qui a si bien lu le texte de méditation de ce matin. Dites l'île pour nous en anglais. Et m'a demandé nous si ça pas déranger nous pour nous camper pour nous capable l'île encore en français, ensuite ma l'île en créole avant la prédication. Ésaïe 41 le verset 10. Nous allons lire ensemble. Ésaïe 41, le verset 10. N'appli ensemble. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante.
moi j'aime la version créole. Il dit, nous pas besoin de paix, moi là avec nous. Nous pas besoin de quitter un rien, bah nous qu'est sauté. C'est moi même qui bon Dieu nous. M'a ba nous force, m'a aider nous, m'a soutenir nous avec force poignet moi. Qui pas jamais perdit bataille. Ils sont la tête pour la prière. Notre Père qui es aux cieux. Qui sommes-nous en ce moment pour prendre la parole en ton nom? Mais tout ce que nous savons, ta grâce nous suffit. Donne-nous de ton Saint-Esprit et que ta parole puisse être prêchée pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, environ un quart de siècle, soit en 1999, le monde se trouvait dans une situation assez troublante. C'était donc à l'approche de l'année 2000, côté l'inquiétude des hommes et des femmes a été à un niveau très élevé. Beaucoup de nos frères et sœurs s'étaient laissés aller par les dires de beaucoup d'autres. Y2K, comme vous le savez, faisait la une. Des gens disaient que l'année 2000 serait la fin du monde, parce que avec toute grosse puissance ça y est, avec toute grosse arme nucléaire ça y est, qui pas de fait pour reconnaître l'année 2000, eh bien, t'as gagné un déblousaille nucléaire. Mais ça yo pas de connaît, ou plutôt ça yo oublié, c'est que le créateur du ciel et de la terre, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Il est sur le trône et il contrôle. C'est bien le sujet de notre méditation de ce matin. Dieu est en contrôle. Dieu est sur le trône. God is on the throne. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas sans savoir que les événements qui se déroulent sous nos yeux ne sont pas un hasard, parce que notre Dieu a fait provision pour son peuple. Dans 2 Timothée 3, le verset 1, l'apôtre Paul nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des difficultés. » Et le contenu même du chapitre, l'apôtre est à l'âge de beaucoup de choses qui ne sont pas étrangers à nous aujourd'hui. Et au verset B de ce même chapitre, l'apôtre nous dit, « Quelle persécution ai-je passée de toutes ?» Sœurs bien-aimées, cette portion de l'Écriture que nous venons de lire dans Ésaïe 40, le verset 10. Notre texte de méditation doit nous élever le standard en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Elle doit nous rassurer que notre victoire est certaine, car Dieu est sur le trône et que nous n'avons rien à craindre.
cette parole rassurante, les trois jeunes Hébreux te comprennent, ils te vivent. C'est pourquoi qu'ils ont déclaré dans Daniel 3, le verset 17 et 18, avec conviction, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main, ô roi. » Le verset 18 nous dit, « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Yo te fait confiance, yo te prend au mot. Daniel, tout, malgré le décret et la défense royale, a exercé cette même attitude envers Dieu. Car la parole de Dieu est vivante. C'est pourquoi Daniel va déclarer au verset 27 du même chapitre, le chapitre 6, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Job tout, le serviteur du Dieu vivant, te comprendre et te vivre parole ça, c'est ça que fait malgré les tribulations, malgré les humiliations, malgré tout mépris, il déclare avec force, dans Job 19, le verset 25 et 26. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et le verset 26 nous dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Moi-même tout, frères et sœurs, moi comprendre et moi vivre parole ça. Dans la nuit du 9 au 10 février 2010, mon unique fils Samuel, comme vous le savez, t'est trouvé le malade. Il levait matin là, à l'école contre lui-même, il pas jamais dit non. Il allait avec une tête fait mal. Le arrivé à l'école là, nous pas. Ensuite, il retournait par la soirée. Eh bien, c'est mouri, Samuel Tapral mouri. Li relé toute nuit là avec yon tête fait mal. Et vers 2h du matin, nous courir nous prendre nos menen monte sanay qui sous Kinsaoui. Et jour ça, c'était un jour terrible. C'est un jour côté te gagné un snow storm qui était terrible. Environ 7 feet snow, c'est bien pour tomber. Depuis le 9, l'école était déjà fermée. En pile travail était fermé. Les pour nous mener Samuel à l'hôpital, pas gagné ambulance. Nous courons avec moi-même avec madame moi. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, là, pas gagné presque personne là pour prendre soin de lui. C'était un docteur qui était là. C'est lui-même qui fait tout le travail. Il prend la chaise, qui pousse Samuel, qui fait la casquette pour lui. Et ensuite, il dit non. Tout de suite, il faut courir Manhattan avec elle pour faire l'opération. Pas d'ambulance, grosse nous tombé. Mais finalement, nous joignons l'ambulance. Nous voyons l'ambulance ba nous. Tipa, ambulance là allait Manhattan. Pendant que Samuel était déjà perdu connaissance, il n'est pas là encore. Et m'a rappelé pendant nous parler, mon sanaï avec la dernière parole, il dit, maman, I love you.
et puis il perdu connaissance. Nous prenions aller Manhattan avec le rivé. Il a fait l'opération tout de suite parce que le pas de carité, ça qui passe, il y a un sang qui a coulé dans la tête. Il faut faire l'opération tout de suite pour te empêcher le sang couler. Dieu est grand, bien-aimés frères et sœurs. Docteur, dis-nous, yo mettez nous chita, yo dis-nous, yo pral faire opération, mais après opération, Samuel pap ka parler, li pap ka marcher, li pap ka tande, li pap capable faire rien pour tête li. Moi-même, madame, moi, nous chita na prier. Seule ressource nous connaît, c'est bon Dieu. Parce que nous connaissons lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Il fait une première opération. Il fait une tête là pour empêcher sang de couler, suspendre de couler. Ensuite, pour rendre l'histoire à la côte, il fait une deuxième opération. Il fait une troisième opération. Ils ont fait leur quatrième opération. Et ils ont fait leur cinquième opération. Dernière opération, ils ont obligé, ils ont fendu la tête encore. Parce que, ils ont joint que c'était 20 qui étaient twist de la tête. Pour les gens qui sont dans le domaine, ils ont eu le brain aneurysme, something like that. Oh, yo fan tête li encore. Et yo passé environ 10 heures de temps dans salle opération avec lui. Docteur finalement retourné pour nous rendre histoire courte. Et il dit madame moi. Bon Dieu que n'a servi. Servir bien. Parce que Samuel mourit dans mes deux fois, il était dû ressusciter pendant deux fois. Béni soit l'Éternel, Samuel est vivant. Frères et sœurs bien-aimés, ça qui est plus belle dans l'histoire. Docteur te dit non Samuel pap marcher li pap parler li pap you name it. Trois jours après pendant que nous l'hôpital là fatigué te gen ti chambre côté que yo recevra ti moun moi même madame moi dans pendant nan ti chambre nan yon ti dormi a pran nou. C'est bruit que nous entendons dehors dans la flora. Qui bruit que lié nous ne connaissons pas? Nous courons levé. Qui salte? Samuel qui levé dans l'hôpital là, avec tout appareil sous lui, qui a marché. Eh bien, tout docteur est venu pour assister ça. Et les autres m'ont dit, comment le fait? Il dit, c'est un monde qui vient devant, qui dit, levez, marchez. Pourquoi nous raconter l'histoire ça déjà? Bon Dieu fait merveille, levez-le, j'enlevez-le. Il n'y a pas de limite. Frères et sœurs, en nous fait, bon Dieu, nous en confiance. En nous rester fidèles avec bon Dieu nous. Bon Dieu nous en fidèles, bien-aimés frères et sœurs. Dans promesse li yo, nous mettre compter sur lui. Car la parole de Dieu tient toujours. Parole bon Dieu nous en dit dans Ésaïe 40, le verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen.
y a environ 3 semaines, pendant que nous t'échitons dans ta salle, ça là, nous t'a parlé ensemble. Il y a un frère nous qui dit, moi-même, moi pas peur mourir, non? Mais peur souffrir. Et ça me rappelle cette citation d'Alfred de Musset dans un écrivain français lorsqu'il dit « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Frères et sœurs, dans la souffrance, nous y bon Dieu là. Dans la souffrance, nous y bon Dieu, pas quitter nous pour compte nous. La voix rassurante qui vient de Dieu est au-dessus de toutes les situations qui pourraient vous nuire. Parole, bon Dieu, c'est oui et amen. Donc, à travers tous les événements agités et chaotiques que nous avons produits dans le monde, Jésus est le vainqueur. Et nous devons être toujours convaincus que l'on ne peut pas quitter le moment ça y est. Situation sa yo menait petit li à la dérive. Le prophète Esaïe parlait nous de yon période de l'histoire qui te gagne en pile crié, qui te gagne en pile tremblement. Malgré tout, le Seigneur a donné une parole rassurante pour son peuple. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution. Il viendra lui-même et vous sauvera. Selon Esaïe 35, le verset 3 et 4. Le Seigneur nous dit, fortifiez ça yo qui n'est pas capable encore. Renforcez foi yo qui faible, foi ça yo qui faible parmi nous. Encouragez ça qui peur. Dis yo, pas y'a aucune raison pour yo peur. Tout ça qui arrive, bon Dieu, qui t'est arrivé pour le bien de son peuple. Parce que à travers tout cela, il préservera son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, même les plus saints parmi nous, si nous capables de parler comme ça, font face à des tremblements dans leur cœur. Un soudain accès quand une terrible crise s'approche. Ce n'est pas un péché de se trouver dans de telles situations. En fait, les bons dieux te baillent parole à Esaïe. Ils voulaient s'assurer que tous ceux qui se sentiraient submergés par une situation ne seraient pas écrasés. Dieu veut que tous les cœurs fatigués et troublés, capables d'entendre, ne criez point. Prenez courage, car le Seigneur est un sauveur pour son peuple. Tout ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole indéniable de Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. C'est pourquoi dans Nombre 29, le verset 19, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Brothers and sisters, young people, I know that you're going through a lot, but no matter what you are going through, God is the answer. And I want to remind you, none of your problem is bigger than God. None of your difficulties is greater than God. You have to always trust and obey God. Donc, l'important pour nous vivre de parole, pour nous pas garder sous gros problème nous yo,
pour nous pas garder sous grosses difficultés nous yo, car pas gagnons nous yo qui plus grand ou qui plus gros, pas c'est bon Dieu. Le péché, frères et sœurs bien-aimés, rend que nous avons fait face à tout genre de difficultés. Mais rassurez-vous que la victoire est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Capable d'une inquiétude, c'est vrai. Capable d'un grand goût, c'est vrai. Capable d'une tristesse, c'est vrai. Capable d'une maladie, c'est vrai. Capable même de la mort, c'est vrai. Mais rappelez-vous toujours que Jésus-Christ te gagne victoire sur toute bagaille sa yo. Pour vous et pour moi. Et c'est ce même Jésus qui vous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc, à travers toute situation sa yo, moi qu'on est, et moi vive, où qu'on est et où vive cette belle promesse de l'Éternel dans Jérémie 23, le verset 10, le verset 11. Jérémie 29, je m'excuse, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À travers toute épreuve sa yo, moi connais et moi vive. Où connais et où vive cette belle promesse de Dieu. Dans Isaïe 41, le verset 10, notre texte de méditation. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. À travers maladie, ça y est, moi connais et moi vive. Où connais et où vive cette belle promesse de Jésus. Dans Jean 11, le verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Frères et sœurs bien-aimés, quoi de plus rassurante, quoi de plus vivifiante que de savoir que notre Seigneur, notre Créateur nous dit, je suis avec toi. Et même encore aujourd'hui, malgré tout ce que vous entendez, malgré tout ce que vous pensez, malgré tout ce que vous croyez, cette promesse reste et demeure certaine. Et frères et sœurs, pour finir ce matin, laissez-moi vous rappeler cette dernière promesse du Seigneur. Une promesse que nous pouvons appeler la promesse des promesses, que nous trouvons dans Jean 14, les versets 2 et 3. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. 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 Alléluia.
Dieu nous a visités aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu dans la salle? On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Pour terminer le service, nous allons nous mettre debout. Sous la direction de frère Ronald Médor, nous chanterons le numéro 380 de nos hymnes et louanges. Nous mettons debout et nous chantons avec sentiment. Ô toi, mon allégresse, aimable et douce va, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi des rois. Quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus mon rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, ô Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus mon rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi m'ouvrir mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Fermons les yeux pour la bénédiction. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, comment ne pas te remercier pour ta grâce, ta miséricorde envers chacun de nous. Depuis ce matin, tu as été avec nous. Nous avons senti ta présence. Et par ton serviteur, tu as parlé à chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Confiance, quelles que soient les circonstances. Permets-nous d'avoir les regards sur toi et sur toi seul. Et que bientôt, que
tu reviens des cieux. Nous soyons pour t'acclamer. Peter, qui a parlé en ton nom. Seigneur, tu l'as inspiré et nous vraiment édifié par ce message. Bénis-le, bénis sa famille et permets qu'il soit toujours disposé à parler pour toi. Alors que nous allons vider ce lieu, que ta paix, ta grâce, au nom de Jésus qui Amen. 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 Numéro 345, à de nouveaux combats, Jésus nous appelle. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos de ADS, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, nous tiendrons fermés haut. La croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut. Ta croix, notre drapeau, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs.
vainqueurs et nous serons plus que vainqueurs. Amen, nos bras, amen, nos cœurs. Luttons, prions, souffrons. Nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour scindra nos fronts, luttons, prions, souffrons. Bientôt nous régnerons. Amen, nos bras. Amen, nos cœurs. Et nous serons.